monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Adeline, créatrice de Safari sur mesure en Afrique. Je suis également guide naturaliste diplômée d'Afrique du Sud et spécialiste de la grande faune africaine. Sur cette chaîne, je vous invite à en découvrir un tout petit peu plus sur l'activité de safari naturaliste que je propose dans plusieurs pays en Afrique, sur les animaux sauvages et sur différents pays d'Afrique. Bonne découverte! Coucou tout le monde! Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un thème, ça fait un moment que j'y pense, et ça fait un moment que je me dis, il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus, parce que c'est quand même intéressant, surtout à l'heure actuelle. On est quand même à l'époque post-MeToo, et donc vous allez comprendre très vite que ça a un lien avec, les personnes qui sont misogynes, il y en a encore beaucoup, et puis cette société patriarcale dans laquelle on évolue, nous les femmes, j'aurais même tendance à dire on essaye de survivre, dans le sens on essaye quand même de faire notre vie et de faire ce qu'on aime et d'être heureuse malgré tous les bâtons qu'on nous met dans les roues. Et en tant que femme guide, j'ai essuyé énormément de commentaires pas super sympas. Et encore récemment, en fait, je parlais avec quelqu'un, on va dire un collègue, voilà, on va dire un collègue, pas quelqu'un de particulièrement proche, on va dire quelqu'un qui évolue dans mon cercle plutôt professionnel, mais voilà, plutôt un groupe de business. Et donc je parlais de guidage et qu'effectivement je rentrais en Afrique et que j'allais en Tanzanie parce que j'avais aussi besoin, un besoin fort maintenant de retourner sur le terrain et pourquoi pas de refaire du guidage si je peux. Et donc cette personne me dit « Oh là là, bah ouais, franchement, t'es en safari en Afrique et t'attends de voir ton guide et tu vois Adeline débarquer ». Et c'était vraiment assez péjoratif, du genre, oh là là, tu vois Adeline débarquer, tu dis, putain, mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous apprendre, celle-là? Alors, ça a beaucoup à voir avec le fait que je sois coquette, que je suis féminine, et c'est jamais quelque chose sur lequel je ferai l'impasse, parce que parce que j'ai toujours été comme ça, tout simplement, il n'y a même pas de parce que, c'est comme ça, c'est moi, et c'est pas parce que je vais aller sur le terrain je vais aller alors ça me fait vraiment penser à un commentaire d'un ancien petit copain à moi avec qui j'ai fait beaucoup de safari qui était aussi guide et on était dans le Kruger et puis donc un matin je m'habille comme ça et il me dit oh là là mais tu mets des strings mais on met pas des strings quand on fait du guidage et qu'on est en safari quoi. J'ai éclaté de rire parce que ça me semble tellement ridicule. Moi, je suis désolée pour tous ceux que ça dérange, quoi. Je vois pas pourquoi on ferait un meilleur guidage parce qu'on met des grosses culottes sluggy. Moi, je mets des strings depuis que j'ai 14 ans. Et je vous assure que ça m'empêche pas d'être quelqu'un de bien ou de faire des guidages intéressants et de partager des choses intéressantes. Ben voilà, c'est aussi ridicule. Tout ce que j'ai pu entendre, en fait, c'est aussi ridicule que ce genre de commentaires. Alors, c'est passé... alors, voilà, donc déjà, je suis une femme. Donc, je ne suis pas une femme masculine, genre bonhomme, comme ça, un peu western, qui va arriver avec ma carabine. Genre, je vais tous vous protéger. Et s'il y a un lion qui s'approche, je vais le buter. Clairement pas. C'est pas du tout mon approche. Et je vois pas pourquoi je vais dénaturer et être quelqu'un d'autre que la personne que je suis. Et je vois surtout pas pourquoi, en me voyant arriver, on pourrait se dire qu'est-ce qu'elle pourrait bien nous apprendre celle-là. C'est quand même... Enfin, moi, ça me fait halluciner. Je vous avoue que je comprends pas. Et ça fait longtemps que je me dis, il faut quand même que j'aille partager un peu mon opinion et que j'aille voir ce que pensent les personnes qui vont pouvoir voir cette vidéo. Parce que moi, ça me fait halluciner et j'ai bien des souvenirs en guidage, voilà. Mais de personnes, bon, déjà les Français en voyage sont un peu particuliers, hein, on le sait. Nous Français, on a quand même une réputation qui nous précède. Déjà, on est chiant, on critique beaucoup, on est toujours en train de parler de bouffe. Alors moi, je vais vous donner clairement des exemples de à chaque fois que j'ai été en guidage, c'était
Oh, alors dès qu'il voyait ou une gazelle, ou enfin, pas tout le monde, hein, évidemment, mais c'est des exemples quand même, et il faut que je vous le dise, c'est drôle, quoi. Je veux dire, dès qu'il y avait un impala ou une gazelle, oh là là, mais ça doit être bon en sauce. Oh, mais ça, avec une petite vinaigrette, ça doit être vachement. Voilà, la bouffe. Principalement, ils voient des animaux, ils pensent à la bouffe. Une autruche, oh, un petit steak d'autruche, ce serait pas mal, dis donc, avec telle sauce ou telle sauce. Bon voilà, au bout d'un moment, c'est drôle, 5 minutes, et puis après ça gonfle quand même super vite, parce que c'est pas le but d'un safari, quoi, d'essayer de trouver de la nourriture, hein, clairement pas. Et aussi, j'ai eu effectivement ce genre de commentaires assez misogynes. Alors, c'est pas toujours frontal, du genre, bon, c'est qui celle-là, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous apprendre, vu comment elle est sapée, qu'elle met des strings, même si ça se voit pas. Et elle est maquillée, elle met du vernis. Je vois pas qu'est-ce qu'elle fout dans ce métier. Bah moi je vois très bien. Et puis je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ça va bien se passer. Et donc voilà, en fait beaucoup de tests. Les 3-4 premiers jours, c'est énormément de tests. C'est les gens qui vont tester mes connaissances et aller me poser des questions un petit peu, essayer de trouver des questions sur lesquelles ils vont pouvoir me coincer. Voilà, où là je vais pas pouvoir répondre, je vais pas réussir à trouver la réponse. Alors moi, je m'en fous, je suis quelqu'un, on va me dire, si on veut essayer de me faire réagir en me challengeant, en me disant « Ah, t'es pas capable de faire ça », je vais répondre « Non, je suis pas capable ». Ça m'intéresse pas du tout d'aller dans ce genre de choses. Donc si, quoi qu'il arrive avec ce genre de personnes, ce que je vais faire, c'est que je vais réagir comme je fais toujours. Je vais partager mes connaissances un maximum et autant que je peux. Et je sais qu'avec ces gens-là, les 3 premiers jours sont critiques et qu'il faut parler et donner un maximum d'informations pour les rassurer et leur faire comprendre que bah oui, c'est pas parce que je suis qui je suis comme je suis physiquement, extérieurement parlant, que j'ai rien dans la tête et que j'ai rien à partager avec vous. Au contraire, donc je vais avec ces personnes-là encore plus insister sur les choses voilà, sur les informations que je vais donner, parce que je sais qu'au bout de 3-4 jours, la majorité d'entre eux vont être rassurés, vont se dire bon bah ouais. Notre guide, bah comme tous les guides, elle touche aussi sa bille, donc il n'y a pas de raison de ne pas lui faire confiance, et après ça se calme. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus vicieux et qui vont aller essayer de me coincer ou de me dire. Et puis alors, moi, mon truc, ça va faire plaisir au mec, c'est que bah, moi je suis une femme, donc les chiffres, c'est pas mon truc. Dis ça, vous l'aurez compris, hein, c'est. Mais voilà, je sais pas si c'est parce que je suis une femme ou pas. En tout cas, les chiffres, c'est pas mon truc. Donc souvent, les questions des hommes, c'est ah, combien ça pèse un bestiau comme ça? Combien ça pèse un éléphant? Combien de kilos de bouffe ça va manger? Combien de litres? Voilà, tout est. Alors, j'ai des notions. J'ai quand même des trucs qui me restent un peu en tête. Mais c'est vrai que c'est tellement pas important pour moi. Puis ça me parle pas en fait. Moi, je sais pas si vous certaines ou certains peut-être. Et j'espère d'entre vous sont comme moi, mais moi ça me parle pas les chiffres, 1 million, ça me parle pas, c'est pas quelque chose qui a un intérêt important pour moi. Je préfère vraiment parler du comportement, de pourquoi tel animal là, à ce moment-là, il va avoir cette réaction, qu'est-ce qu'on peut en déduire, qu'est-ce qu'on pourrait penser, qu'est-ce qu'il est en train de se jouer entre ces espèces, etc., etc. Moi c'est ça mon truc. Et c'est ça que j'ai envie de partager parce que c'est ça qui me plaît. Et je pense foncièrement qu'on partage au mieux ce qui nous fait vibrer. Hein, je vais te parler de chiffres. Comme moi, j'en ai rien à faire, je vais pas te le partager de la meilleure des façons, c'est sûr. Alors oui, il y a des chiffres qui sont importants. Si je sais pas, je dis bah, écoute, je sais pas, j'ai pas retenu, c'est pas dans ma tête. Hein, quitte à passer pour quelqu'un de futile et de pas très compétente et voilà et je vais dire mais je reviendrai vers vous si c'est important pour vous, je reviendrai vers vous rapidement ou un peu plus tard avec la réponse. Voilà. Et je fais ça peu importe la personne que j'ai en face. Mais voilà, j'étais quand même encore étonnée d'avoir ce type de conversation et ce type de préjugés malgré tout, on est en 2024 et on a encore des personnes. En plus, c'était une personne assez jeune, quoi, dans la trentaine. C'est quelque chose qui est aussi générationnel, et c'est clair que quelqu'un qui va avoir 60, 70 et au-delà, la génération de mes parents, bon, je vais me dire, bah oui, c'est générationnel, et je comprends que quelqu'un comme ça, qui voit une nana comme moi arriver en disant. Avec son string, c'est moi qui vais vous faire le guidage, même si j'arrive pas comme ça, mais dans leur tête, c'est un peu comme ça qu'ils me voient.
je comprends qu'il puisse être dubitatif et je l'accepte et il n'y a pas de souci. Et après, bah, c'est à moi de, on va dire, de faire mes preuves. Et puis, ils ont aussi le droit de se dire, bon, non, au final, elle était vraiment nulle, j'avais raison. Parce que ça, c'est le truc, j'avais raison. Truc tellement important dans la vie. Ces gens-là, je me demande s'ils se disent, est-ce que sur leur pierre tombale, il y aura marqué, il avait raison? Qu'est-ce que c'est important? Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir raison ou pas dans la vie, en fait? Le plus important, c'est de passer un bon moment, d'apprendre des choses qui nous fassent plaisir, d'être bien ensemble, et puis voilà. Donc voilà, écoutez, c'était mon petit coup de gueule, petit et sympathique, j'espère en tout cas, de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Comme je vous l'ai dit, j'essaye vraiment de faire vivre cette chaîne qui me tient à cœur et de vous partager cet été des choses un petit peu plus frivoles. Frivoles. Un petit peu plus dans le vécu, un petit peu plus vivante que mes sempiternelles. Alors, si vous allez au Tarangire, il faut faire ci, il faut faire ça, nanani. Parce que j'ai aussi conscience que c'est chouette, autant pour moi que je l'espère pour vous, d'avoir ces échanges-là aussi et de vous partager certains points de vue, certaines histoires vécues, etc. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à liker si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite!